Hello YouTube, est-ce que ça va? Actuellement 2h06 du matin, au plus grand des calmes. Oh là là, je crois que j'ai fait mon look préféré de tous les temps. Je retirais le collier et il me gratte. Bref, et j'espère sincèrement que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo Halloween. Alors oui, Halloween, chacun a ses définitions. Disons que pendant cette période d'Halloween, je vous propose 15 looks sophistiqués, transformations, SFX. Après, moi j'avoue que le problème d'Halloween, c'est que j'aime pas faire du gore pour faire du gore. Donc généralement, je me retrouve avec ça. Il y a 2 ans, j'avais fabriqué ces prothèses en gel de silicone et je ne les ai jamais posées sur mon modèle. Oui, parce qu'à la base, elles ne sont pas faites pour moi. Mais bon, il fallait que je les sorte un jour quand même. Ma passion dans la vie, c'est les motifs baroques. Mais comment je suis fan, ma chambre elle est noire et blanche, motif baroque partout, rideaux, papier peint, tout. Une période où il y a pas mal de motifs baroques, Versailles, le roi soleil. Donc à l'instant où j'ai posé, où j'ai commencé à colorer les prothèses, je me suis dit, wesh, go à Versailles. Ce look m'a mis genre 3h30 à réaliser parce que je ne savais pas du tout où je voulais aller et il y a énormément de perles à coller, enfin de strass. J'hésite entre plusieurs lentilles, entre plusieurs perruques, donc bref, voilà. J'espère sincèrement que ce look te plaît autant que moi. Là, j'ai juste envie de me pointer à Versailles et de faire le footing de ma vie. Louis XIV n'a qu'à bien se tenir, hein, moi je te dis. Hein. En tout cas, si tu aimes mon travail, n'hésite pas à m'apporter ton soutien en t'abonnant à tous mes réseaux, en laissant un petit commentaire et un pouce bleu, et le tuto, c'est maintenant. Alors oui, j'ai déjà plaqué, caché et posé une prothèse, et oui, j'ai mis un pull de Noël alors qu'on est en octobre. Et alors? Je viens quand même essayer les prothèses, donc il y a 3 pièces dans celles que j'ai réalisées, je te rappelle, il y a déjà 3 ans. Oh là là, depuis le temps que je voulais les essayer, enfin, enfin. Et je viens les appliquer avec une colle à silicone, mais ne t'inquiète pas si tu n'en as pas chez toi parce que c'est vraiment un coût, genre c'est presque 100 € la colle. Oui oui, ça fait très très mal quand on achète. Tu peux totalement utiliser de la Pro-Z. Et voici mon petit bébé fantôme qui a bien grandi et qui est magnifique. Regardez-moi ce corgi. Oh my god, trop beau. Une fois que mes prothèses sont posées, je viens retirer la petite barrière, donc le flashing qui m'a aidé à poser les prothèses, sinon elle n'aide en rien. Si tu ne sais pas la faire, c'est pas grave, c'est pas ça qui va gâcher ton make-up. Si tu aimes ce type de make-up avec du gel de silicone et si tu veux tester chez toi, pas de problème, il existe déjà des prothèses déjà fabriquées. Tu peux les trouver sur les sites anglais comme Tilt ou Titanic FX. Comme une youtubeuse beauté, je viens unifier mon teint avec un petit fond de teint. Attention, le fond de teint, il ne sert pas à être appliqué sur les prothèses parce qu'elles sont déjà de la bonne couleur de ma peau. D'ailleurs, j'ai pré-teinté mon silicone avec ce fond de teint Charlotte Tilbury et d'où le fait que ce soit de la même couleur, quoi. Allez, pour le fun, j'ajoute une petite goutte d'anti-cerne au niveau des cernes. Comme d'hab, je l'estompe à la Beauty Blender. Celle-ci, elle vient des magasins Normal. C'est une dupe de Real Techniques, je crois, et elle est vraiment incroyable. Par contre, il n'y a que la orange dans la gamme qui est vraiment cool. C'est évident, je viens poudrer mon teint avec toujours la même poudre, la RCMA. Elle est transparente, fine et elle tient super bien. Et elle est disponible sur le site Beauty Bay. Autant te dire que le rapport qualité-prix est juste énorme, génial. Ensuite, je me munis de mon petit aérographe que j'ai rapidement balancé étant donné qu'il était bloqué. C'est pour ça que tu vois que ce n'est pas du tout le même modèle. Petit rappel, si tu veux acquérir un jour un petit aérographe chez toi, prends un pistolet, donc un aérographe ainsi qu'un compresseur. Revenons au make-up, j'utilise des produits Temptu qui sont des fards à alcool, donc ils sont déjà prêts, je les insère dans mon aérographe et c'est parfait. J'utilise une teinte marron assez chaude et je viens contourer les ombres de mes sculptures. Ce que je préfère dans l'aérographe, c'est vraiment la création de textures, j'adore, c'est mon petit kiff. Donc c'est vrai que parfois je peux être assez répétitive, mais excusez-moi, c'est vraiment mon petit kiff. En tout cas, je viens créer de la texture entre mes prothèses et la racine de mes cheveux. Je continue le travail du dégradé en ajoutant toujours un fard à alcool de cette même collection Temptu, mais beaucoup plus foncé et je viens contraster ce que j'ai déjà fait auparavant. Si tu as une palette de fard à alcool chez toi, tu peux tout simplement diluer à fond le fard dans l'alcool et le poser dans l'aérographe, no problemo.
Nouveauté de chez Beauty Bay, ils ont sorti des highlighters, des bronzers, des blushs, tout ça à 8€ ou 7€ l'unité. La qualité est juste incroyable et je viens prendre la teinte Trophy. C'est un petit or super beau et super brillant, il est magnifique et je viens repasser sur les reliefs de ma prothèse. Et ce que j'aime bien aussi dans les couleurs que j'ai choisies, vu qu'elles sont très chaudes, elles me font penser un peu à une texture de bois et c'est pour ça que j'ai vachement exploité ça juste après. J'ai quand même tenté d'ajouter un petit peu plus de contraste avec un fard à alcool noir que j'ai mis à des endroits stratégiques pour ajouter un petit peu de profondeur. Un produit make-up vraiment génial, ce sont les fards métalliques, les petits pigments de chez Makeup Forever que tu viens diluer au Duraline ou bien à de la gélatine. Et ensuite je viens peindre les reliefs une nouvelle fois de ma prothèse parce que je me dis, l'highlighter, je peux faire encore mieux. Allez, approche-toi et prends ta palette Be Perfect, la Carnival 3 et les teintes que je te montre et viens créer un petit rat de cils et profites-en pour refaire un petit peu le creux de l'œil si besoin. J'ai quand même appliqué un petit peu de Base P. Louise au rat de cils, hein, ne sait-on jamais. Je contraste avec la teinte noire que je vais ajouter en dessous de mon sourcil au niveau du coin interne. Au niveau du coin externe, pour bien fondre la coloration avec le make-up de mes yeux, je rajoute une teinte orangée. Allez, on passe maintenant à la partie la plus longue qui est le collage des strass et ils viennent tous les deux de chez Action et franchement parfois à Action pour le rapport qualité-prix il y a vraiment des pépites. Au niveau du rouge à lèvres, je reste toujours dans le neutre assez chaud avec une teinte Buffy qui vient de chez Lime Crime. Ce rouge à lèvres, il est vraiment super. Déjà, il s'applique très bien. Bon, après, l'odeur des Lime Crime, c'est pas trop mon kiff. Mais franchement, celui-là, il est vraiment top. Pour ajouter un côté métallique au rouge à lèvres, je reprends l'highlighter Beauty Bay en teinte Trophy et je l'applique non pas sur mes dents, mais sur ma bouche. Je vous conseille pas trop les dents, c'est pas ouf. Pour ce make-up, j'ai longuement hésité, mais finalement, je suis partie sur des lentilles bleues parce qu'en fait, c'est ce qui mettait le plus en valeur le make-up étant donné que c'est la couleur complémentaire du orange. J'enfile une perruque rousse qui va bien avec l'univers du make-up et les petites bandes de strass sur ma tête, ce sont tout simplement des scotchs à strass qui viennent de chez Action et que j'ai découpé en ligne droite. Hey guys, la vidéo est terminée! Je suis désolée. Et ouais, tout a une fin. Sorry. J'espère que ce make-up, qui pour moi va être le plus majestueux de toute ma série Halloween, te plaît. Vraiment, j'espère de tout cœur. N'hésite pas à le partager. Franchement, n'hésite pas. Ça me ferait super plaisir. Et franchement, pour tous les strass que j'ai collés, je le mérite quand même. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo, merci de me soutenir, moi je vois tous vos commentaires, je vois tous vos messages, peut-être que j'y réponds pas forcément tout de suite, mais sachez que je les vois, mais en fait il y en a tellement en une quantité importante et tous les deux jours etc, j'ai vraiment pas le temps d'y répondre et ça vraiment j'en suis navrée mais sachez que je les lis. Allez, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.